écouter l'histoire, difficile à croire, mais moi je suis bonne poire et je sais pas ce qui m'a pris. Mon pote qui débarque, tremblant et puis moite, il me tend une boîte et me dit je t'en prie, je voudrais que tu me la gardes en bon camarade. Dépose la peinarde, planquée à l'abri, il repart en trombe, plus vite que son ombre, déjà au loin gronde sa caisse dans Paris. Par amitié, je veux bien te servir d'alibi, dire à ta femme qu'on est sorti au tennis, faire genre que tu gagnes. À la rigueur, je peux même te prêter des thunes ou une petite laine si t'as un rhume. À PEH, je te laisse l'Espagne. Je me battrai s'il faut se battre. Oui, mais quoi faire avec cette boîte? Des bandes adhésives, fermer la missive, seule alternative pour voir ce qu'elle contient. Secouer le paquet, les oreilles aux aguets, l'emballage qui craque, mais à part ça rien. C'est donc pas un vase-mine, ça aurait fait bling-bling. C'est peut-être un kidnapping, un doigt ou une main. Mais pour la charcute, mon pote, ça se discute. Bosse à la matmute, du coup j'y crois moins. Par amitié, je veux bien te servir d'alibi. Dire à ta femme qu'on est sorti au tennis, faire genre que tu gagnes. À la rigueur, je peux même te prêter des thunes ou une petite laine si t'as un rhume. À PEH, je te laisse l'Espagne. Je me battrai s'il faut se battre. Oui, mais quoi faire avec cette boîte? J'en ai fait des rêves glauques, des montagnes de coke, un type à la voix rauque, accent sicilien, me plongeait dans l'acide. J'ai pensé au suicide jusqu'à ce que tu décides à venir un matin reprendre ta boîte. Question délicate, je t'ai dit que j'ai hâte savoir ce qu'elle contient. Quand tu m'as répondu, je t'ai rendu tondu. Bien sûr, on a convenu que je dirai rien. Par amitié, je veux bien te servir d'alibi. Dire à ta femme qu'on est sorti au tennis, faire genre que tu gagnes. À la rigueur, je peux même te prêter des thunes ou une petite laine si t'as un rhume. À PEH, je te laisse l'Espagne. Je me battrai s'il faut se battre pour taire ce qu'il y avait dans cette boîte. Pour taire ce qu'il y avait dans cette boîte.